monde, c'est l'équipe Jest, et cette fois on est deux, on est bien deux, et je suis avec le grand, le magnifique Rurk. Salut les amis, je suis Rurk, je vais pouvoir jouer avec le tout petit Narsufi, bien teigneux, qui va nous bouffer du zombie, en voiture, voilà. Avec des armes et tout ce qu'il faut, puisque tous ceux qui connaissent un peu la saga des Resident Evil, et surtout celle de Révélation 2, savent que la coop est la meilleure coop de tous les Resident Evil. Et je vais, pour cette première histoire, jouer la magnifique Rook... Merci. Et je vais jouer la magnifique Rookin Claire Redfield. Et Rook va jouer une fille. Une petite gothique là que j'aime bien, là, je la trouve mignonne. Voilà. Et Et on a compris. Ouais, c'est bien comme ça. Alors, affiche... Les sous-titres, on va mettre des sous-titres, ça n'est pas... Oui, les sous-titres, ouais. Parce que... Si jamais... Si j'arrive pas à suivre... Ah, moi, je suis pas du tout un fan de jeux d'horreur, hein, sachez-le. Hein. Moi, je... On risque de l'entendre hurler de temps en temps. Ouais, voilà. On s'en fout du mode commando. On va voir ce que ça donne. Ah, j'ai déjà joué, hein, j'y ai déjà joué. Et on va commencer le jeu en coopératif local avec écran splitté. Où est-ce qu'on joue tous les deux ensemble, hein? Ça y est. Normal, facile ou survie? Alors survie, tu oublies. Ouais. Facile, je veux pas parce qu'on va nous considérer comme des petites Valtrag. Ouais. Donc normal. D'accord, survie. C'est pour moi normal. La colonie pénitentiaire. C'est bien, ça nous va bien, une prison, un peu de sang, des chaînes rouges. Normal, quoi. Craignez la nuit, craignez ce qu'il n'est pas la nuit. Hein? C'est logique comme phrase. C'est clair? Non, oui, c'est clair. Redfield. Ta main, merci. Allez, quand il y a des cinématiques, on essaie de se calmer. Méchant Narsu. Sont dérobés, réencodés, utilisés abusivement avec des résultats tragiques. Oh, c'est dans Révélation 1, ça. Et à qui êtes-vous censé faire confiance? Aux politiciens qui vendent leur âme pour quelques votes? Aux grands patrons qui trahissent les consommateurs pour du fric facile? Comptez plutôt sur nous. Nous sommes au-dessus des politiques, toujours à surveiller, toujours prêts à faire face à la menace imminente. Nous sommes le rouleau compresseur qui écrase le spectre du bioterrorisme et de la guerre chimique. Power Rangers. C'est quoi ces mecs là qui sourient comme ça? Mais Terra Save. Terra Save. Parce que Terre ne rime pas toujours avec terroriste. C'est quoi ce... Ouais, c'est quoi cette propagande de merde? Non, pardon. Salut les gars. Ah, c'est clair. Dossier rouge. Ouais. Voici Claire Redfield. Et voici la petite gothique. Et voici Raluc. Moira. Salut, moi je m'appelle Moira. Les néo clubs de ceux qui vont se faire bouffer par des zombies. Tu fais déjà un câlin. Putain, c'est rapide dans le jeu. Mademoiselle Redfield. Je dois saluer comment? Laisse tomber. On est amis depuis quand? Assez longtemps pour que je te fasse marcher. Dans la Terra Save, le salut, c'est une claque sur les fesses, non? Ouais. Ah, je sais pas. Je t'écoute, mais... On va éviter les blagues sexistes. Quoi? Le nouveau virus? Non, Claude François. Arrête. Tu sais que Tricell, c'est fini. Hein? Elle était nulle, ta blague. T'es au courant? Ah oui, avec Claude François, t'es au courant, oui. Voilà, là, là, là. Oui. Moira a commencé aujourd'hui. Sérieux? Et ça, personne me le dit, quoi. Et sois prudent si tu dois mentionner... Père. Oh oui. Chant de mine émotionnelle. Je vois. T'as fait tes devoirs. T'as beaucoup d'autres atteintes à la vie privée là-dedans. Hey, je dois prendre soin de Terra Save. On a des ennemis. En tout cas, bonne chance pour l'adresser. Mais je t'emmerde. C'est un cheval. Salut. T'as les chiens qu'on dresse. Ma queue aussi, pardon. Oh, il a fait quoi cette fois? Enfoiré de Barry! Chaque fois que je lui demande quelque chose, il me rembarre! Ça parle mal. Je serais même pas là si j'avais écouté. Ça veut dire. Non, c'est Claude François qui essaie de mettre l'ampoule encore une fois. Il a tout fait disjoncter. Claude François retour, c'est comme ça qu'on aurait dû appeler ce jeu. Et il est au courant, aïe! Ouais. Laisse son pauvre coquelot en paix.
Alors ça, ça sent le gouvernement qui veut se venger. On n'est pas content. Non, c'est Call of Duty qui essaie de remonter ses ventes. C'est ça. Alors ça, c'est voilà, illogique. Hein, je vois deux filles derrière la vitre, je tire dans la vitre pour casser la vitre, mais je tire devant les filles. Normalement, elles sont censées être touchées par les balles. Mais normalement, la balle, elle passe à travers, mais bon. C'est pas grave. Faut savoir qu'une vitre, en fait, c'est plus solide qu'une balle. Ça fait désintégrer les balles après, une fois que c'est passé. J'ai fait dodo. Allez, c'est parti. Prêt pour un petit Resident Evil? Non. C'est bien d'avoir des troupes motivées comme ça. Ce chargement est extrêmement long. Bon, mais moi je reviens, j'ai pissé. Salut tout le monde, c'est Darsupi, Erol qui a été pissé. Oh là, on m'observe. Quand t'observes, c'est pas trop, c'est pas toi qui tente, c'est juste la gueule de la prison en fait qui me fait peur moi. Regardez les eaux qui coulent. Ça y est. On se joue enfin. Je n'ai rien fait du tout. Donc moi je suis en haut. Et Rock est en bas. Je vais faire pipi, j'ai dit. Ah, tu as des chiottes, en merde. Attends, je me poserai pas dessus, moi. C'est à quoi choper une MST. Donc on fouille un peu l'endroit. Hein. Est-ce que je peux courir? Est-ce que non, je peux rien faire à part marcher. Ah si, je peux courir, cours toute seule. Hello. D'accord, faut rester appuyé sur X pour sprinter. Ouais, c'est comme Resident Evil 6. Salut. Ça va aller. Je vais nous sortir de là. Et par sortir de là, c'est me barrer tout seul et te laisser ici. Bonne chance. Ah Claire, fais quelque chose, vite. Trahison. Je cherche un moyen de te sortir. D'accord. Non, rien à voir. C'est quoi en fait? C'est peut-être le bouton qui est à côté, non? Là? D'accord. Ouais. Tu es blessé? Ils t'ont fait mal? Claire, je me souviens bien, d'accord? Oui, du calme. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Laisse-moi. Oh, Claire, je veux rentrer à la maison. Ça va aller. On va sortir de là. En fait, non, moi j'étais bien dans la prison. Allez, suis-moi. Je comprends rien. Pourquoi nous? Si je savais. Ça passe devant. D'accord, il y a quelque chose là. Ouais, une porte qui s'ouvre. Non, non, il y a quelque chose là. Ah oui, c'est ça. Waouh. C'est Noël. C'est quoi cet endroit? C'est un sapin zombie. Sérieux, c'est des zombies ça? Non, non, c'est un sapin de zombies. Donc c'est... En gros, c'est des hommes accrochés comme des guirlandes, enfin des boules. On peut pas tomber? Non, on peut pas tomber. Ouh. On fait gaffe. Salut toi. Tu me fais un bisou? Quand tu veux, je te dis de monter, tu montes. Évite de regarder mes fesses. Trop tard. Je crois qu'elle va avoir un côté lesbienne en fait, ma... Moira? Moira, voilà. Cherchez le nom. Tu me diras, Claire, c'est pareil, hein. Elle est restée avec Léon pendant tout le 2 et jamais elle attendait quelque chose. Je te jure, c'est fille alors. Non, mais là, elle aime que son frère. Ça devient dégueu là, ce soir. C'est... Je savais que c'était un peu spécial à Resident Evil, mais pas à ce point. Bon, je t'attends quand même un petit peu de temps en temps. Mais je vous emmerde, mon bon monsieur. Non, non, c'est pas ça, c'est que s'il y a un truc qui surgit. On sait jamais. Tu as entendu? Je te rappelle que je suis l'expert. Je m'appelle Claire Redfield. Il y a quelqu'un? On m'a vu que dans le 2 et dans le 2. Ah, c'est... Ça, c'est du sang. Oui, ne panique pas, c'est que du sang. On peut ouvrir la porte. Vas-y, je t'en prie. Oh, putain de bordel! J'aime bien aller aussi poli que moi.
intéressant. Je pense qu'on peut passer de l'autre côté de la vitre. D'accord, vas-y, viens que je te balance. Sérieux? Non, non, c'est pas vrai. Manquerait plus que ça. Alors. Mais je pense que c'est ça l'action, hein, de casser la vitre pour passer. Ouais, mais bon, on va fouiller d'abord. Ah, j'ai trouvé un couteau. Ça pourrait nous servir. Je m'occupe de l'éclairage. Hein? T'es sérieux là? Attends, tu dois allumer et moi j'attaque. Allez, allumeuse. Sérieux la meuf Violence! C'est clair. Oui, c'est clair. Alors, ceux participant aux expériences doivent respecter les règles suivantes. Les sujets doivent être surveillés 24h sur 24. Surveiller le capteur pour détecter tout changement et consigner son statut toutes les 10 minutes. Éliminer immédiatement tout sujet présentant des signes d'anormalité. D'anormalité. Alors, si je me souviens bien, donc là c'est pour toi, je te rappelle que tu vas avoir des choses à faire. C'est pour toi ça. Donc tu peux les ramasser aussi, hein. t'es comme un stockage portatif pour moi aussi. Hein. D'accord. Avec ta lampe torche, tu pourras faire, c'est tu vises. Et en fait tu peux, pour me trouver des objets cachés que t'es le seul à avoir brillé. Que je puisse les ramasser. Et sur les murs, quelque part sur les murs, t'auras des symboles bleus que tu pourras ne voir qu'avec ta lampe. Des objets cachés en fait, des hiéroglyphes cachés. Donc voilà. Oui mais pas maintenant. Je sais plus il te dit pas à partir de quel moment tu peux les trouver ça. Par contre, les objets, ils vont te le dire à partir de quel moment tu peux me les éclairer. Tiens, pour l'instant, je peux me fight avec un couteau. Waouh. Je suis une guerrière. Si tu ouvres la porte, c'est moi qui passe devant. Logique. Je crois qu'on peut passer là-dessous. Aide-moi, Moira. Vas-y, vas-y, vas-y. Tiens-le pour moi. Non, ouais, t'inquiète. Ok, 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 ok. Attention, recule un peu. Je pousse cette étagère. J'aime pas trop le bruit que je viens d'entendre. Oula oula! Ça démarre bien. Lâche-moi! Ok, faut viser la tête, mais bon. Putain! Et il est même pas mort, il s'est barré. Hein. Oui, normal, elle a pas visé la tête, elle a fait ça dans le dos. C'est pas comme si on était habitué derrière Resident Evil, on sait que c'est la tête qu'il faut tirer si on veut qu'il meure, merde. Bon, on va côté. On y va. On a pas peur. Hein? On n'a pas peur. Oui, pas pour toi. On n'a pas peur. J'ai évité de trop pousser parce que je pense qu'il doit y avoir des trucs derrière. Il y a une fille qui crie là, non? Oui. Bon, en fait, faut pousser plus. On peut pas passer sinon. Allez! Bon, à mon avis, il doit y rien avoir. Hein. Si on peut pas y aller, c'est qu'il doit y rien avoir à récupérer. Oulala! Là là monsieur! D'accord, je peux pas courir. Non, sérieux. Allez. Si la poursuit, c'est pas pour lui offrir des chocolats. Hein. C'est clair. Ah, une plante. J'ai ramassé une plante. R1 pour utiliser les herbes, d'accord. Ah oui, vu que je suis blessé, c'est pour ça. Ah, on peut fouiller les placards. Ah, parfait. Ah, tiens, une arme, si tu veux prendre la pour toi. Une arme, c'est vrai? Non, une herbe. Ah. Pour se soigner. Parce que moi, j'attends une arme avec impatience, mes amis. Je peux vous dire, ça va chier. Ça va chier les bulles. C'est du bullshit. Et je t'attends, hein. Ouais, ouais, vas-y, vas-y, avance, t'inquiète pas, j'avance à mon rythme, mais j'avance. Ouais, j'ai besoin de toi parce que là, je vois rien, moi. Oui, bah, passe devant. Toi, tu me diras, t'as la lampe torche, hein. Ouais. On fouille un peu ou tu crois qu'on a rien vu? Je crois que les objets vont nous le dire, il me semble. Ça fait longtemps que j'ai pas fait, donc je m'en souviens pas. On verra bien. C'est bien, on est passé. Par contre, il va peut-être falloir que je me soigne au bout d'un moment, quand même. Oh putain. C'est quoi, c'est un zombie?
Oui. Ah non, c'est la fille qu'on a vue au début. Qui a fait, hé, Claire Redfield, ou je peux quoi. Oui. Elle travaille pour TerraSave. Qui a pu faire ça? Umbrella, sûrement. J'entends le bruit du vent. C'est sûrement la sortie. On doit trouver non. une entrée. Normalement, la situation de l'histoire, Umbrella n'existe plus. Hein. Umbrella a été démantelée déjà. Depuis la fin de 2003 d'ailleurs. Alors qu'est-ce qu'on fait? Attends, Arsu. Qu'est-ce qu'il y a? La porte ici, on peut l'ouvrir. Non, elle est bloquée. D'accord, j'ai rien dit. Il faut être taré pour... Ah, il a des clés sur... Il a des clés sur lui. Là. Tiens-moi bien. Ok. J'y suis presque... Non. Ça, c'est fait exprès. Belle remarque. C'est ça. Ah. Tu vois ça là-bas aussi? Où ça? Là, éclair en bas, là. Tu vois, en bas. Tu vois un espèce de truc bleu et rond, là, ovale, rond? Ouais. Ça faut les péter, c'est comme dans tous les autres présentés villes. Ouais, je me rappelle, oui, c'est les... Mais on peut pas faire ça ici, enfin, du même pas avec le couteau, quoi. Bon, soyons prudents. J'ai pas vraiment confiance en ce qui va se passer ici. D'accord, ça rassure. Ça rassure les petits amis. Et déjà, quand je vois ça, c'est pas que ça me rassure pas des masses. Alors moi, je vais me soigner. Où est-ce qu'on voit la vie? La vie, c'est le rouge qui est autour de ton interface, en fait, de ton écran. D'accord, le sang. Quand ça devient rouge, c'est que ça commence à être critique, en fait. Je sens pas. Et je viens de voir une plante verte. Si ça te dérange pas, je vais la récupérer. Un jeu sans barre de vie, c'est un peu embêtant, quand même. Et en fait, j'irai me faire foutre parce que je peux pas y aller. Pour l'instant. Et on a vraiment qu'un couteau pour l'instant. Ouais, avançons, je pense pas qu'on puisse fouiller pour l'instant. Merde, je pensais qu'on pouvait ouvrir à la Leon S. Kennedy, un coup de pied dans la porte. Et une échelle là. Et une échelle là, j'ai dit. Elle voulait pas descendre. Tiens, regarde. La clé doit être par là. Puis ça, c'est pas un objet à détruire. Il est où le policier qu'on a vu tout à l'heure? Il est là. Merde, c'est quoi ce bruit? La clé a disparu. Bien vu! Tu comptes utiliser ça? On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mais bien sûr qu'on va utiliser ça. Attends, qu'est-ce qu'elle dit là? C'est quoi cette gamine, Néo? Tu vois des cadavres partout? Du sang, tu en vois là? J'ai un flingue. Il fait trop sombre. Éclaire par ici. Il faut qu'on trouve la clé. Oula. Alors. Tu veux que j'éclaire par où? C'est marrant, toi. Attends, dans la cinématique, elle est pas restée accrochée là-haut, la clé, là? Là. Claire, je vois la clé. Impossible de la prendre. Je vais essayer de tomber dessus. Ah, on a deux portes. Il y a deux portes qui s'offrent à nous. Oh putain! En fait, en éclairant leur visage, tu peux les aveugler. Pour m'aider à les tuer. Là, derrière toi. Derrière toi, je vois une hache. Putain, j'en vois plusieurs. Et un autre de mort. Je peux pas les taper. Putain, mais je peux vraiment rien faire. Oh putain, que ça commence mal. Ah. Bien joué. Je sais. Du choc. Ouais. Ah, t'es encore dessus. Je te marche dessus. Ah, je m'en souviens. Vise là. Sur le mur. Tu vois ça? C'est quoi? Voilà. C'est ça que je te parlais. D'accord. Je me souvenais qu'il y en avait un au moins là. T'as besoin de soins.
J'ai pas de plante. J'en ai une, je peux pas te la donner. Ah, on peut pas l'ouvrir. Si tu peux, mais j'en ai pas besoin là, j'ai pas d'aura rouge autour de moi. Ah bon. Ah, moi qui avait une plante ici, non? Tu avais pas de plante? Ici, il y avait des munitions. D'accord, bah faudra que tu me les donnes. Mais dès qu'on pourra, hein, pour l'instant, allons-y. Il faut que je tire là-dessus aussi. Pour l'instant, je sais même pas où. Excusez-moi, les petits amis. Je cherchais à accéder à l'inventaire. Triangle. Ouais, donc ça me donne pas que c'est. Non, c'est pas triangle. Le pad. Le pad. Le pad. Donc le pad. Toi, j'ai 15 balles. Je te donne maintenant. Ça m'intéresse, ouais, vas-y. Comment je te donne? Clique dessus. Et donnez, voilà. Ouais. Merci. Ça pourrait m'être grandement utile. Allons-y. Cette musique est d'un stressant. Là, je vais éviter d'y aller trop vite. Hein. Attends, on peut fouiller les placards qui sont là? Oui. Ah, ça, c'est de l'argent pour améliorer nos compétences plus tard. Fouillons. Là, on peut pas voir. Ah, bien joué. C'est de l'argent, c'est bien ça. C'est bien l'argent. Nous, on aime l'argent. J'adore l'argent. On aime l'argent. Wow. Comment ça, esquive? D'accord, on peut esquiver avec le rond et une direction. Ça revient, et ça, non. Excuse-moi. C'est quoi ça? Non, c'est pas d'organes, dommage. Des munitions et une plante. C'est parfait. Ah, et un zombie qui arrive droit sur nous. Attention. Vise-le avec la lumière si tu peux. Et viens là, mon gros. Oh, oh. Putain, j'ai plus de lumière. Eh merde, le salaud! Il est mort? On se tire. C'est sûr? Oui, il est mort. Mais ce serait relevé, je pense. Oh punaise! Allez, montre-moi ton joli minois! Pas ramasser leurs armes qu'ils ont fait. Bien. Ouais, est-ce que je prendrais bien une hache, moi? Wouhou! Ils sont combien? Toutes les portes ont été ouvertes. Oh! Toutes ces portes étaient fermées, en fait. Rappelle-toi. Alors, recule. Il faut que je me soigne. Le tir du désespoir. T'as des munitions? Il m'en reste 15. Ok, je fouille chaque cellule. Une plante. Je la récupère. Vu que j'ai utilisé la mienne. Vas-y. Ah, j'ai vu un autre truc, non? Ah non, j'en ai vu, en fait. Là, c'est quoi, là? C'est une cellule de confinement. Pour les gros barbares cinglés, ok. Ah, y'a plus rien, là. Normalement, j'ai tout fouillé, hein. Vas-y, bah je t'attends. Sauf c'est de là, mais t'étais dedans, donc j'imagine que c'est là où t'as eu la plante. Ouais, il y avait rien d'autre. Très bien, nous voilà là. Attends, tiens. Voilà. Impeccable. Voilà. Il y en a 8 à récupérer dans ce chapitre. Okay. D'accord. On va essayer de finaliser ce chapitre dans la première vidéo, mais... Alors en fait, on a récupéré les clés. Soufflons. Allons-y. Ah. Oh. Oh oh. Eh mais vas-y, mais elle sert vraiment à rien, cette nana. Elle va ramasser un flingue un jour dans sa vie. Un jour, peut-être. Ah, attends, je peux pas passer au travers. Donc le mec, ça m'étonnera pas qu'il se relève. Et on avance pour l'instant. Des munitions de fusil à pompe. Il te faut une arme, Moira. Ah, on est d'accord. Non. Pas besoin, désolé, les armes à feu, c'est pas mon truc. Alors là, comment ça, les armes à feu? Et tu vas te détendre, Moira? Attendez. Mais il n'y a pas désolé, Claire. Non, attends. Bonjour, hein. Tiens, prends une herbe verte. J'en ai déjà une, hein. C'est pas grave, t'es mon confinement. Non, mais déconne, cette fille.
Non, j'ai pas besoin d'armes. On voit des monstres partout là. Et Je sais pas ce que c'est. Voilà. Utiliser la lampe. C'est ça, à partir de maintenant, tu peux me trouver les objets. Par contre, laisse-moi les ramasser, par contre. Ça dépend, je sais pas, j'ai ramassé quoi, là? Des munitions. Ah. Et tu vois, regarde, t'as deux trucs de munitions. Ah, c'est fait, je les ai donnés. Non, regarde dans ton inventaire. Je viens de te les donner à l'instant. Ah ouais, là-haut, c'est moi, ok, c'est clair, là-haut. D'accord. Voilà. Quand c'est de l'argent, tu peux ramasser direct, hein. Ouais, je sais. Par contre, tout ce qui est munitions, tu me le laisses ramasser, comme ça nous évite d'aller dans ton menu à chaque fois. Mais ça dépend. Je les ramasserai quand, si jamais on est en action. Ah, c'est pour toi ça. Je peux pas ramasser moi. Cool. Un truc pour taper. Ça me c'est tout très bien. C'est tout. Alors, appuyez sur R2 pour que Moira immobilise certains ennemis en les frappant par derrière avec le pied de biche. Par derrière. Elle peut aussi exécuter un coup à terre lorsque l'ennemi est tombé avec R2. Sérieux, je peux pas les taper comme ça? Si, si, tu, oh, peux, tu peux taper en appuyant sur R2. Et c'est quoi cette fille, la Moira là? C'est un nom bizarre ça, c'est un nom de. C'est un nom des mecs de gardien de la paix là, ceux qui aiment jamais se battre. R2. On appelle ça comment? Hein, les Amish, c'est ça, c'est une Amish en fait. C'est une Amish. Tiens. On est contre la violence. Envoie-moi ça là. Ah, ah non. D'abord je fais mon truc bleu. C'est quoi? GG. Je sais. Bah t'ouvre-moi ça. Je t'emmerde. Hein? Je t'emmerde. En même temps je... Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Je sers à rien. Voilà, je sers à ouvrir les portes où il y a un truc comme ça. Ok. Ici, elle sert beaucoup, elle sert pour certains coffres aussi. Y'a que elle qui peut les ouvrir. Ouais, non mais attends, regarde. Oula! T'as vu? Oui. C'était un vivant. Claire, tu as vu ça, hein? Oui, j'ai vu quelque chose. Moi aussi. Moi aussi. Ah. Bon. Oula! T'as entendu le voir, il est... Moi, pas content d'être ici. Tu veux passer devant, vas-y. Ouais, moi je passe devant, maintenant que j'ai une arme. Hein. Tu perds l'arme. Les munitions de fusil à pompe, génial. Et merde, crédit. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai encore ramassé des balles. Je les ai retransférées. Merci. Encore des munitions là par terre. C'est bon ça? Et là? Munitions. Ça va en fait. Ça te fait plaisir là, Claire. On va être assez bien équipé. Ouais, enfin bon. Putain, je te jure. Moira, elle mériterait de crever, hein. Attends, un Resident Evil ou... Non, tu comprends, moi et les armes, ça fait deux. Je préfère sauver des lapins en Guatemala parce que c'est plus noble comme mission. On va crever, girl. On va crever si tu prends pas la flingue. Oh putain. Ah. Ah, c'est un asthmatique. J'ai entendu un asthmatique. Toi aussi? Il y en a beaucoup, hein. Dans... Voilà, temps, faire le con en fait. Ils sont tous dans des cellules. Hein. Oh, oh, vous savez ce que ça pue ça? Voilà. Qui cite des conneries de poèmes? On dirait la voix de Ada. Vous pouvez me le dire. Hein? On dirait la voix de Ada. C'est ça. De quoi vous parlez? Oh! Qui êtes-vous? Putain! Salope! Tellement de souffrance. Vous ne connaissez pas la véritable peur. Non, mais on veut pas non plus la connaître. Et moi, ce que je veux, c'est récupérer ça. Fais pas la maline parce que là, ça sent. Maintenant, j'ouvre toutes les cellules. Et vous avez bien ouvert peur. On fouille. Hein. Vas-y. On récupère de la thune, on récupère un max de choses. Si on peut, bien sûr. Une porte. Clé de... Oui, bien sûr, bah oui. Bah oui, c'est de toute façon dans tous les jeux d'horreur, tout est fermé à clé. Oh, oh. Il va se détendre. Oh là, il va la péter la porte. On se tire. Ah, carte du centre des temps de détention. Ah, on a une carte maintenant affichée là-haut. Ah, chouette. Amélioration des mesures de sécurité. Conformément aux instructions du directeur, j'ai placé le buste lance-flamme en face de la sortie.
Les flammes qui soufflent sont vraiment impressionnantes, mais si plusieurs des expériences tentaient de passer en même temps, elles seraient toutes grillées sur le champ. Défense de passer. Tant pis pour ceux qui essaient de s'échapper. Donc d'accord. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse gaffe. On fasse gaffe. Un pas cramé. Super, une énigme. Enfin, un objet à retrouver, du moins. Excusez-moi, c'est ce qu'on venait de relire. Putain de technologie. C'est quoi ça? Oula. Je sais pas, mais ça pue la merde. Il y a une porte là. Fermée de l'autre côté, d'accord. Une porte ici, je tente. C'est là, j'arrive, ouais, j'arrive, c'est là j'arrive, tu vas. Vas-y, vas-y. Ok. Qu'est-ce qu'il y a là? Un livre. La colonie pénitentiaire Kafka. Le voyageur a demandé qu'il ne connaît pas sa propre sentence. L'officier a répondu, lui donner cette information serait inutile. Son propre corps en fait l'expérience. D'accord. Kafka, c'est pas les symboles bleus que tu retrouves là depuis tout à l'heure? Non. Non, mais ça me parle, Kafka. Dans un précédent Resident Evil. Ah bon? Moi, je pensais que c'était quand tu trouvais un symbole bleu, il avait écrit symbole Kafka, je sais pas quoi. Non, il y a écrit Kaina, je crois. Kaina? Il faudrait que j'en retrouve un autre pour te le dire. Oh, ça a l'air confortable. Ah, mais bah, il est là, notre rouage qu'on cherche. Un, si hein? Un chouette joue. Regarde cette machine. Il y a un truc de bloqué. Je vais appuyer. Vas-y, vas-y. Toi, tu... Ça marche pas. Il n'y a pas d'alimentation. Ah. Où est l'interrupteur? Non. Pourquoi tu m'as fait ça? J'ai pas fait exprès, je pensais pas que ça allait te faire monter quoi. J'ai vu appuyer sur X, j'ai appuyé, mais je pensais pas que ça allait te faire monter. Bon, bah attends, est-ce que je peux éclairer d'ici? Ah, j'ai vu un truc lève la tête. Et merde. Moi je peux pas l'atteindre d'ici. Bah attends, on va voir. Bah, je suis retardé. Est-ce que moi je peux te faire monter? Non, non, c'est. Non, non. C'est obligatoire en moi. Bon. Bon, ça veut dire que je vais avoir droit à un flingue. Ah, un tourniquet. Un bandage qui... Les hémorragies peut-être... Ah d'accord, oui, c'est vrai qu'on peut avoir des hémorragies dans ce jeu-là. Ah, une boîte d'éléments. Que c'est que ça? Oh, désolé, il se passe un truc. Vous pouvez améliorer et changer vos armes à l'atelier. Améliorer, vous pouvez équiper ou retirer les éléments personnalisés que vous avez obtenus pour vos armes. Échanger, vous pouvez échanger les armes que vous transportez avec celles que vous avez stockées. D'accord, je peux... Dégâts niveau 1, d'accord, je peux améliorer mes armes. Je pense que les dégâts, je vais les mettre sur ça, en fait. Sur le petit flingue. Ok. Et est-ce que vous pensez, petits amis, que moi, je peux améliorer mes armes? Je sais pas, tu peux peut-être mettre des stickers sur ton... Petite biche. Ah d'accord, elle t'es pas toute en fait seule. Ah je sais pas, j'avance. Ah bah, tu t'es redescendu? Oui, j'étais derrière toi. D'accord. D'accord, bah à mon avis, il faut que tu remontes. Ah oui, y'a que Claire qui peut utiliser les trucs. Ouais, je me doute, oui, qu'en fait, c'est pour t'ouvrir la porte. Et faut, en fait, faut que tu me refasses revenir, en gros. Je suis désolé. Ah. Assistez. Merci pour ce voyage. Allez, on va éviter de perdre du temps, là, ça en fait perdre. Tu peux qu'à y retourner. Et quand même, ouais, ça me paraît logique, si je peux pas monter là-bas, c'est que tu dois m'ouvrir la porte. C'est déverrouillé. Parfait. On trouvera peut-être quelqu'un qui nous aidera. T'as qu'à croire. C'est beau de rêver, c'est... Alors, attends, avant de partir. Désolé, petits amis. J'ai besoin de toi. Y'a... Ah, y'a que toi qui peux l'ouvrir. Bah attends, je passais devant tout à l'heure, il voulait pas, c'est un bon type. C'est les coffres pieds de biche, c'est ça que je te parlais. Certaines boîtes doivent être déverrouillées, déplacer le curseur pour trouver le point d'ouverture. La position du point d'ouverture est déterminée par la couleur du curseur et les vibrations de la manette. Vous obtenez un indice pour la première... Voilà. Première d'accord. Séquence uniquement. Non, je pense que ça doit être orange, non? Non, au contraire. Est-ce que la manette vibre? D'accord.
Parfois, il y en a plusieurs. Ouais, t'as deux verrous à faire. Non. Non, non. J'ai compris le truc. Il faut que ça reste orange. Il faut pas que ça devienne rouge. Voilà. Et des caisses de munitions pour moi, d'accord. Alors, je sais pas à quoi ça sert les caisses de munitions. C'est pas grave. On peut y aller ? Vas-y, vas-y, je t'en prie. Ça marche. Alors. Je te laisse fouiller, hein, je m'occupe des ennemis s'il y en a. Argent. 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 Oula. Bah, elle est encore fermée. Arrête de te plaindre. Ne nous emballons pas trop vite. De quoi ? Une caisse là. Oh putain ! Il est mort. Il est mort. Enfant ! Enculé ! 3 ans pour mettre un coup de pisse biche, tu rigoles là ? Putain ! Y'a rien là-dedans. Excusez-moi, je suis mal poli là. Non, rien. Rien du tout. Ah là, y'a un papier. Chère maman, j'ignore si tu liras ceci un jour, mais j'ai besoin de toi. Ils nous appellent des expériences. Ils nous torturent tous les jours. Tous les jours. Qu'ai-je fait pour éviter ça ? Pourquoi cela m'arrive-t-il ? C'est si douloureux. Tous les jours, je vis dans la peur du lendemain. Maman, je t'en prie, aide-moi. Pourquoi cela n'arrive-t-il qu'à moi ? Juste te soucier si j'ai dit Waltrain. Non, 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 j'ai goût, c'est juste que ça m'a fait penser à cette musique d'un coup. Simplement ça. Continuons. J'aime bien parce que ce genre de courrier nous donne toujours des éléments très intéressants. Ouais, on sent qu'on les fait, donc... Oh putain ! Bien joué, t'en as tué un déjà. T'as vu, tu sers quelque chose, tu viens d'en buter un. Ils sont morts. Ils sont morts, j'ai dit. Je suis un bonhomme, moi, ça me fait rien. Ah, un tourniquet encore. Super. Non, je dis oui, ça nous donne des éléments très intéressants. Ça... Oh putain, là. Ça nous indique que... Oh putain. Vas-y, bute-le. Ça nous indique qu'en effet c'était un russe, vous voyez, c'était écrit en russe. Ah, un nouveau texte. Alors, les capteurs dont les expériences sont équipées mesureront l'adrénaline et les niveaux de norépinéphrine, pardon, afin de calculer la peur ressentie par le sujet. Les couleurs varieront en conséquence, donc ça c'est une information qui est pour nous, quoi. Le vert c'est normal, l'orange c'est l'anxiété, le rouge clignotant c'est la peur. Par contre, si on est rouge fixe, on va muter, nous serons mutations. Si le capteur du sujet devient rouge, il est déjà en phase de mutation, tirez-lui dessus immédiatement. En fait, je suis en train de me demander si les mecs qu'on a vus au tout début, hein, qui nous ont attaqués pendant la cinématique et qui t'ont injecté un truc dans le corps, t'aurais pas injecté un virus à la con ? Bah sûrement. Un virus XYZ, parce que maintenant on doit être là, quoi. T'avais pensé à Resident Evil 4, moi. C'est ça. Léon aussi, on lui a injecté un truc dans le 4 et... Et il t'en débarrasse qu'à la fin, quoi. Alors, il y a deux chemins différents. T'es parti par où ? Moi, je vais par là, voilà. Ouais, ok. Des bombes artisanales. Ok. Donc, L1 et R2 pour lancer l'explosif. Là, il y a un bouquin. L'homme a exprimé son souhait de franchir les portes. Le gardien a répondu : si vous voulez vraiment passer, enfreignez les règles et allez-y. Mais sachez ceci : je ne suis qu'un modeste gardien. Ceux qui vous attendent derrière ces portes vous font trembler de peur. Là, tu vois, ça t'indique encore une chose qui va bien te faire flipper. C'est clair. Ah, bien joué. Là, je te couvre au cas où. Ça, il n'y en avait qu'un seul. Ah, une boîte d'éléments. C'est, ça va être pour améliorer des trucs. Bah, pour améliorer mes armes, en fait. C'est ça. Putain, mais défonce-moi cette porte. Bon, bah, viens. Non, vas-y, vas-y, je continue. Moi, je te suis de loin. Parce que... Ah, t'es rien, tu vois, voilà pourquoi.
Vas-y, tu des missions, tu ramasses. Hein. Tu me les fileras après. Oh putain! Oh putain! Qu'est-ce que c'est? Un espèce de gros monsieur, genre gros monsieur bien costaud, avec une grosse arme dans les mains. Et c'est fermé. Oh putain, là, faut buter ce machin. Il y en a pas qu'un. Par contre, attends, regarde. Il y a un truc au milieu de la pièce. Attends, moi j'ai dû en côté molotov. Ah, c'est vrai qu'en même temps, oh putain, je le vois. Prête? Prête, je t'emmerde, jeune garçon. C'est la guerre. Allez, non mais t'occupe même pas de lui, toi. Oh putain! Bien joué, tu l'as tué. Lorsque vous êtes touché par une attaque puissante, vous subissez une hémorragie. Ok, oui, donc. Ils ont tourniqué depuis l'écran des. Ok, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Oh la vache! J'ai compris, monsieur. Je recommencerai plus, c'est promis. Ah, esquive, putain, sale connasse! Ah, la foutre, moi, j'y vais avec le sang. Fais gaffe, parce que toi, par contre, tu vas prendre cher. Il est mort. Voilà, faut que je me soigne là. Il nous aura fait mal. Il avait rien sur lui, on a pas ramassé un truc là. Attends, je l'éclaire. Non. Ah, t'as l'air, la boîte d'éléments, faudrait que tu me la files. Il y a que moi qui peux utiliser les trucs. Merci. De rien. T'as toute ta vie. Ouais, c'est bon, je me suis soigné. Hein. Ce qui était étonnant, c'est que j'ai pris 2-3 coups dans les dents. Et en fait, je vais bien. Bah, elle est peut-être plus résistante pour les vengeances, hein. Ce serait un sérieux avantage. Oui, tu peux pas te défendre. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai ouvert une porte. D'accord. Désolé. Tu veux peut-être qu'on retourne en arrière? Non, bah non. C'est... J'ai été jusqu'à, une... jusqu'à un endroit, mais ça m'avait l'air d'être bloqué, donc... Ah, une clé. Ah, la clé rouillée. Ah, bah heureusement que j'ai ouvert la porte, en fait. Derrière. On va se faire attaquer. C'était où? Je l'ai pas vu. Ah d'accord. Arrête tes conneries. J'y vais. Je veux remettre. Ah tu veux pas? Non mais c'est que c'est bon, c'est que s'il fallait faire ça. Ça craigne. Oh la foutre. Oh, putain. Oh putain, ça craigne. Mais non. C'est pas là qu'on va aller. J'ai récupéré une clé rouillée et il y avait une porte rouillée tout à l'heure. Je sais. Donc on va y aller. S'il y a des objets intéressants là-bas à récupérer, je préfère récupérer d'abord ça avant de partir. C'est qu'on s'y perd un peu quand même, hein. Vous croyez pas vous qu'on s'y perd un peu dans ce truc là? T'as mis des couloirs, des dédales et... Et c'est quoi ça? Attention! De quoi? Évidemment, il en fallait. Oh putain. Ça se one-shot rapidement. Viens, je t'aide à monter. Ouais. Moi je peux pas monter, donc trouve un truc pour me faire sortir, j'en sais rien. Ouais, ça c'est quand tu joues tout seul, ça. C'est pour donner des ordres. Ah oui, ok. Ça sert à rien. Bon bah écoute, j'avance, hein. Ça veut dire que je vais me retrouver en danger toute seule. J'en sais rien, mais... Ah, il y a un objet, faudra que tu m'éclaires ici. Ça brille, là. Putain! Ah! Ah, j'ai été attaqué. Désolé, nous aussi on se fait attaquer par les bestioles. C'est quoi ça, c'est un papillon? Pourquoi t'es redescendu en fait? Parce que je pouvais pas l'éclairer de là-haut. Bah vas-y, faut que je la fasse monter. Désolé vieux. Et vas-y. Voilà. Je reste en bas. Je fais le guet. Oh putain, il y a une bestiole là.
Oh putain, il commence à y en avoir de plus en plus. Oh nom de Dieu. Foiré, hein. J'arrive à le rater à cette distance, quoi. Si tu peux éviter de tirer. Pourquoi? Ça me fait peur. Oh là! Qu'est-ce que t'as fait? Ah, donc là, c'est-à-dire que... À ma droite, avant d'appuyer sur rond, attends. Ouais. À ma droite, j'ai un accessoire de qui va me déchiqueter tout ce qu'il voit. D'accord. Et à ma gauche, j'ai une porte qui vient de s'ouvrir, ouais. Et un adversaire. D'accord. Et moi, j'ai deux murs qui se rapprochent et je peux pas monter. On n'est pas dans la merde. Je crois aussi. Donc, si tu pouvais trouver un moyen vite fait et qu'on se dépêche, ce serait alors, pas mal. On y va. Aïe! Meurs-toi. Non, ça va, j'ai cru que les deux murs se rapprochaient, mais j'ai pas l'impression en fait. C'était une simple impression. Oh, on a voulu sauter dessus. Les murs quand ils bougeaient? Non. Parce que j'ai pas le temps de regarder, mon vieux. Ah, vas-y. Prends tout le temps, récupère la thune. Tiens, regarde, le symbole bleu. Ah, récupère-le. Faut que tu vises. C'est quoi? Tiens, ah oui, Kafka, oui, c'est tu ça, avais en raison. Fait. J'ai cru y avoir du Kaina, mais non, c'est le dessin de Kafka. Ah! Faut que je revienne, quoi. Hein. Je sais pas. Oh putain! Là, si, ça se rapproche! Je suis comment? Ici, monte. Là, d'accord. Ok. Ok, tout va bien. On est ensemble, on est réunis. D'ailleurs, je peux aller là-bas maintenant. Je sais pas s'il y avait des trucs. Hein? Je peux aller là-bas maintenant. Vas-y, va voir. C'est ça, en fait. J'ai dû remettre le courant, en fait. D'accord. C'est pour ça que ça a réactivé tous les pièges. Ah oui. Attention. Ouais, non, on y va pas. Non, ça sert à rien, hein. On a vu tout ce qu'on avait à voir. Hein. Et on se barre. Et on a appuyant sur X, tu peux monter plus rapidement. Ouais, tu t'es arrêté avant, mais... Moi, ce qui fait peur, c'est que t'as activé le courant, on est d'accord. Hein. Oh là là! Il faut qu'on aille là. Alors, prépare-toi. Oh là là, mais il va bien vite, celui-là. Ouais, il n'a plus de vie, pour sauver votre partenaire à terre, appuie sur triangle lorsque vous êtes proche de lui. Ok, ça va venir te sauver. What? Mais fais gaffe. Hop là. C'est clair, merci. C'est là. Oui, c'est clair qui t'a sauvé. T'as dit c'est clair? Oui, c'est clair. C'est clair, ouais, c'est clair là-dessus. Je sais que ça fait 3 fois que je suis... Recule! Putain, ils sont encore là, ces cons! Fais gaffe! Il subit pas. Aveugle-le! Ouais, j'essaye. Tu ralentis en fait. Ah, super! Moi, je suis toujours en hémorragie quand il met un coup. Hein. Recule, barre-toi avant que tu meurs. Oh, comment il me viole, quoi! Je peux pas te sauver là. Je l'ai tué. Oh, comment il m'a violé l'enfoiré! Oh, comment on a eu un gros coup de chance! Y'a pas de chien en fait, j'ai attaqué dans le dos. Par contre, toi t'es pas bien. Ouais, je suis pas bien du tout et puis j'ai rien du tout pour me soigner. Sors de là. Non, les plantes vertes ne serviront à rien, je vais être en hémorragie tout le temps. Il faut que je trouve une compresse. On en avait pas trouvé deux? Ouais, mais les deux j'ai dû utiliser parce qu'il m'a mis mal. Ah, c'est bon, je suis plus en hémorragie. Donc si t'as une plante pour moi. Bah, du coup, j'ai pas envie de te le donner. Hein? Tiens, je t'en ai donné une. Merci. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'en fait, je viens de réfléchir à un truc, t'as activé le courant. Quand par hasard, on va ouiller les cellules. Voilà. Après, psychologiquement... Oh, oh ouais. Ah non, ça mouille rien. Oh putain, si.
Oh putain, si on va se barrer, on va c'est par là qu'il faut aller de toute façon. Sur la carte, c'est marqué que c'est par là. Et même si c'est pas par là, de toute façon, on va aller par là. Si, faut qu'on ait récupéré. Si, on a remis le courant. On va pouvoir récupérer le. L'espèce de truc bleu. Le. Merde, ça là, voilà. En activant ça. Le rouage, oui. C'était pour ça qu'on a refait le courant. Parfait. Et on va pouvoir le mettre à sa place pour se barrer, donc on fait demi-tour. Tu peux pas le redescendre? Non. Ah, tu m'avais pas, tu m'avais donné un truc tout à l'heure. Vas-y. Cadence. La cadence, je vais le mettre au fusil à pompe. Voilà. Qu'il ait une bonne cadence de tir. Bon, allez, viens. On doit repartir par là, j'imagine. Ouais, il faut retourner. Bah là, faut aller au rouage. Le mettre et se barrer. Bonjour, monsieur. Il y en a un juste là, oui. Oh putain de sas! Faut les attirer vers les pièges. Je sais pas, mais j'ai posé le rouage. Non! T'inquiète pas, ça fait rien pendant une cinématique. D'accord. Là-bas, on va faire courir. Oh punaise! Oh que ça pue, ça sent pas bon! Pousse-toi! Tourne la manivelle là-bas! Ok, d'accord. Faut tourner ça! Je m'en souviens de ça. Je vais allumer le feu. Non. Oh putain. Je vais... Qu'est-ce qu'il faut faire là? Je sais pas mais je vais mourir. Là faut survivre. Je suis mort. Wow. Impressionnant. Oh comment il te bouffe. Allez. On va essayer. Et en fait, t'as vu le truc que j'ai tourné là? Ouais. Si t'actives le. En fait, pendant que moi je vais tourner le truc, toi tu vas directement au. T'as vu, il y avait un. Non, j'ai pas vu. C'est pour ça en fait que moi j'étais perdu là-dedans. Ok. Donc je vais y aller. Ça va se voir direct, c'est sur la droite. T'as un. Merde, un truc à tourner. Alors. Tu le tournes direct dès que tu rentres dans la salle. C'est un lance flamme et ça t'empêche de rentrer en fait. Ah, tu vas où là? Tu vas où? Mais d'abord ton truc sur le cadence, peut-être sur le Japon, si ça n'a pas été enregistré. Ouais. Ça a été enregistré, c'est bon. On lui va nous faire chier. Attention. Voilà. Viens, on y va, direct. Direct, je pose le truc. Ok, donc toi tu tournes le machin, moi je fonce à droite. Toi tu fonces à droite et tu tournes la manivelle. Pendant que moi je tourne le gros machin au milieu là. Ouais, donc là c'est le travail d'équipe en fait. On peut passer ça? Non, on peut passer complet, d'accord. Vas-y. Tu vois le machin? Putain! L'enculé mon... Ah! Ah! Faut juste dans l'autre sens, voilà. Faut pas que ça te touche. Voilà. Entre ceux qui sont passés, Faut les tuer. Faut leur faire gaffe le gros. Lui il passe quand même. Les gros ils passent eux. Hein. Non, éclaire-les, faut que tu les éclaires eux. Ah d'accord, t'es à terre. Occupe-toi de lui, occupe-toi. Ouais, non, c'est bon. Non, si tu touches, t'es fini. Hein. Ah, faut que tu pètes la porte, toi, pète la porte. Pète la porte. Ouais. Tu peux rien faire, ça l'a fait tout seul. Attendez encore un. Ça, il meurt cramé. Et dès que t'as fini, c'est bon, on pourra se barrer, je pense. Voilà. On se casse? Tu crois que c'est dangereux maintenant? Je sais pas, mais oui, y a rien à récupérer ici. Si. Putain, il est sorti d'où lui? Si, c'est dangereux, viens, on continue. Allez, on y va.
De l'air, ouais. Bon, tout ça pour ça, merci beaucoup. Où on est? Vise ça. Je m'en souviens de ça. Je me souviens pas de tout, mais... Je me souviens de quelques trucs et... Ah, vise juste le milieu. Il y va. Vas-y. Attends, j'attends que ça recharge. Voilà. Faut que tu trouves le bon point, en fait. Avance un peu au pire. Voilà. Et voilà. Bah écoutez, on aura fait un bon épisode. Ça marche. Ça s'est bien déroulé. Je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que si j'ai bon souvenir, il reste encore un petit peu de niveau à faire. Avec Claire. Et puis après, normalement, ça passe au chapitre de Barry. Mais nous, on va s'arrêter là. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. Nous, on s'amuse, hein, Roll que découvre. Moi, je redécouvre, parce que je me souvenais pas de tout. Roll mais bon. Roll qui est un perso de merde. Le perso qui m'a foutu. Ah, tu passeras avec Barry après, donc c'est bon. Ouais. Voilà. Ouais. Allez. Nous, on fait des gros bisous. Pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à partager, ça fait toujours plaisir. Et voilà. Moi, je vous fais des gros bisous à tous. Ciao, les petits amis, à bientôt. Bisous. Allez, bye bye.